à tous. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune dans le signe du Cancer. On vous dit qu'une issue personnelle euh, ou qu'un problème personnel trouve sa résolution. Alors, avant de démarrer, de décrypter les énergies parce qu'il se passe des choses hein, en ce moment, je tiens à remercier chacune des personnes. Euh, j'ai peut-être pas pris le temps de répondre à tout le monde. En tout cas, j'ai lu tous vos messages. Je vous remercie pour m'avoir souhaité pardon, mon anniversaire. C'est important parce que euh, je l'ai faite par 5 en fait. Je, je, je m'en fous moi d'avoir 34 ans. Donc là, en l'occurrence, c'était mes 35 ans. Euh, voilà, pour celles et ceux qui m'ont posé la question, euh, merci aux personnes qui m'ont donné 25 ans. C'est flatteur. Euh, Quoique... Euh, C'était il y a quand même 10 ans, donc je préfère 28-29 comme vous l'avez estimé. Voilà, ça, ça, je reste dans le panel où on me donne encore un âge plus jeune que celui que je fais réellement, enfin que je, je suis réellement. Donc voilà, je fêtais mes 35 ans. On avait aussi en parallèle, et c'est le plus important, l'événement cosmique de Jupiter rétrograde. Donc le 20 juin, euh, c'était le euh, Jupiter rétrograde, la fin de la saison des Gémeaux. On rentre là aujourd'hui, enfin entre le 21 et le 22, dans le solstice d'été avec la saison du Cancer. Donc on va avoir la nouvelle, euh, la pleine lune, pardon, le 24 juillet. La nouvelle lune sera en Capricorne le 10 juillet. Mais avant ça, il se passe quand même plein de trucs. Alors. On a quatre planètes rétrogrades euh, entre la fin de la saison des Gémeaux et le début de la saison du cancer. Donc on avait Pluton, Saturne et Mercure. Mercure finit sa rétrogradation, pendant que Jupiter, lui, rétrograde. Et le 25... On aura Neptune qui va rétrograder, donc Mercure redevient direct et Neptune lui va rétrograder. Donc ici, on vous invite vraiment, en tout cas l'univers et les énergies du mouvement des planètes, hein, du mouvement généré, enfin euh, qui crée une énergie, nous incite et nous invite vraiment à y aller doucement. C'est-à-dire que Jupiter, lui, est expansif, il est généreux, euh, voilà, il y a, y, a y a du, comment dire, à manger sur la table. Mais Neptune, ça peut être le maître, euh, c'est le mystérieux, c'est tout ce qui va être mystique. Donc Neptune est en poisson, Jupiter aussi est en poisson et va rétrograder, va ralentir. Ce qui fait qu'il va revenir, en tout cas, c'est une illusion d'optique, mais il va se replacer dans le signe du verso. Donc, c'est une, on va dire, un petit coucou dans le signe des poissons avant de revenir en verso. Donc, on ralentit les choses, on réfléchit avant d'agir. Ça c'est vraiment, c'est comme s'il y avait plein de choses sur la table. C'est un peu le set de coupe en termes d'énergie avec la rétrogradation de Jupiter et la rétrogradation de Neptune. Donc entre le 20 et le 25, voilà, on a peut-être des choix à faire, euh, plein de choses qui sont, euh, on peut se, se sentir débordé. C'est-à-dire, mais non, mais là il y a trop de trucs qui m'arrivent. Quel est le bon choix à faire Vous y allez doucement, vous soufflez. Ici, on a l'appui du signe de la Vierge, hein, euh, c'est-à-dire prendre soin de soi. C'est vraiment euh, idéalement le, le, la vision qu'on doit garder, c'est-à-dire je prends soin de moi. Donc pour me poser les bonnes questions, pour effectuer ces choix, parce qu'il peut y avoir plein de choses à manger euh, sur la table, mais tout n'est pas forcément comestible. Ça, c'est vraiment l'idée que je garde des énergies en ce moment. Alors, si vous avez envie de compléter, bien sûr, avec un vrai astrologue, c'est Roland Legrand. En plus, il est gémeaux comme moi. Euh, voilà, mais je ne fais pas de publicité pour les gémeaux, c'est juste qu'il explique très bien ce qui se passe au niveau des énergies des mouvements des planètes on a euh, donc plein de, de voilà de, de planètes dans le signe du taureau hein. on a toujours uranus d'ailleurs qui s'est manifesté dans le tirage donc ici c'est un peu le réveilleur c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai sur la table j'ai tout ça Qu'est-ce qui est vieux dont je veux me débarrasser? C'est un peu comme si vous faisiez le tri dans vos placards. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je dois nettoyer? Qu'est-ce que je dois guérir? On a la maison 8 du scorpion qui est sortie. Donc, Ici euh, Jupiter représentant la prospérité, la croissance, aussi la spiritualité, parce que sur certaines enfin, pour certaines écoles, Jupiter peut aussi être le maître des poissons, comme Neptune, en tout cas maître des sagittaires, maître des poissons. Donc là on va viser plus haut et on va se dire qu'est-ce que j'ai comme valeur, comme croyance, comment j'exprime ma spiritualité aussi, puisque Mercure redevient direct. On a Mars en Lion. Donc voilà, on a la pleine lune en cancer, c'est-à-dire nos émotions vont être euh, mises en lumière. Voilà, je fais le point, j'élimine les choses qui ne me servent plus et qui font obstacle à la réalisation de mon intention. D'accord Parce que des fois, ce qu'on se souhaite, quand ça arrive, on se dit, bah non, il faut encore que j'ajuste parce que ce n'est pas totalement ça, ce à quoi je m'attendais ou ce que je voulais vraiment. C'est correct, d'accord C'est vraiment humain et correct. Donc. Euh... Ici, on vous dit, créez votre réalité. C'est vraiment important. Je vous lirai le message après. Donc, je continue sur ce Jupiter rétrograde. Ici, on fait place au nouveau, puisque tout ce qui stagnait, tout ce qui était ancien, par exemple des vieilles habitudes qu'on a identifiées maintenant comme étant toxiques, une vieille habitude avant, enfin une habitude, elle pouvait être saine, elle pouvait nous faire du bien. Et puis, comme on évolue... Euh, en gardant la vieille habitude, c'est comme s'il y avait une distorsion entre l'ancien et le nouveau. Voilà, nous on évolue, mais on garde nos vieilles habitudes qui nous correspondent plus forcément. Donc ici, réinterrogeons euh, notre système de valeurs, nos habitudes, ça peut être de la consommation de, de nourriture, ça peut être euh, voilà, des, des, des habitudes, par exemple, tous les soirs en rentrant du travail, je fais ci, je fais ça, est-ce que ça me correspond encore maintenant, oui, ok, vous gardez, non, vous euh, changez, juste un petit truc, hein, ça peut être des fois des détails, mais voilà, on nous invite à nous concentrer sur nos objectifs à long terme, c'est le rôle d'ailleurs d'Uranus, euh, c'est-à-dire ce qu'on veut consolider, bâtir, puisque Uranus se trouve en taureau, et que, ici, on a l'occasion aussi d'élargir, euh, nos systèmes, nos connaissances intérieures, nos systèmes de valeurs. On garde l'esprit ouvert tout en se remettant en question. Ça, c'est important. J'ai été interrompue. Alors, je disais que c'était hyper important dans le sens où ça va permettre de trouver la clé pour dépasser les croyances imitantes. Tout notre système de valeurs, ce qu'on appelle l'ego et la tour hein, qui s'effondre, c'est-à-dire la destruction de certaines croyances, vont nous permettre euh, de dépasser, de transcender certaines situations de comprendre ce qui nous retenait réellement et ce que ça signifie à partir de maintenant et la, de vivre en paix avec soi-même hein, c'est-à-dire voilà d'être authentique euh, de trouver des solutions ingénieuses comme nous le répète Uranus hein, Uranus qui est en conjonction euh, qui est en opposition pardon avec Saturne donc Saturne le passé le père la sagesse les restrictions et Uranus le génie le novateur donc Ici, construire une base, regarder tout ce qu'on a sur la table, reconstruire une base en se disant ça je jette, ça je garde. Voilà, parce que les vieilles habitudes peuvent avoir du bon. Est-ce que ça vous correspond toujours C'est ce qu'on vous invite à vous demander là, dans le temps, euh, euh, on va dire dans les, prochaines, euh, dans les prochains jours. Hein. Voilà, avec la pleine lune, on fait le point sur nos émotions. Est-ce que cette émotion, je l'ai gardée un peu trop longtemps Voilà, parce que quand on s'associe à une émotion, je suis en colère on s'approprie en fait l'émotion, on s'identifie même à elle. Alors que si on dit je me sens en colère, c'est déjà une distinction, on s'en éloigne, on se euh, comment dire, on se distance de cette émotion, on la laisse passer comme une émotion, elle supposait le faire, comme une vague émotionnelle. Euh, alors il y a quand même aussi quelque chose c'est mériter le succès là c'est très important parce qu'on va se créer une réalité en fonction de ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on qu voilà, qu retient de nos expériences passées. donc revenir sur avec les rétrogrades euh, enfin les rétrogradations qu'il y a c'est ce que nous permet Pluton, avec la maison 8, la maison du scorpion. Voilà, je garde patience parce qu'il y a encore des choses à nettoyer. J'ai confiance parce que je, plus je prends soin de moi, plus je comprends mes blessures, mes zones d'ombre, plus j'avance avec sérénité dans ma vie. Ça, c'est aussi important. Et en fonction d'eux, je peux créer une nouvelle réalité. Donc après, il y a des personnes hein, qui viendront vous tester, qui viendront. Mettre en exergue tout ce que vous avez fait jusque-là, comme des tests, comme des validations, comme des devoirs surprises, peu importe. On verra en tout cas ce que le Tarot de Marseille nous dira. Alors, ici, on vous dit une nouvelle ère, une nouvelle terre, on vous dit que c'est en train d'arriver. Et. Que vous devez garder euh, la vision vers votre réalité, vers votre nord, vers ce que vous voulez, vos objectifs. Voilà, parce que des fois l'univers va vous mettre euh, des choix euh, dans les, on va dire en frontal, hein, euh, en plein front. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment Voilà, on te donne une alternative et tu te repositionnes. Ou bien tu confirmes que c'est vraiment ce que tu veux, ok, donc gardez votre vision et la vision ça va être ce que vous voulez, là l'univers, alors l'univers ou les cartes, hein, peu importe, mais l'énergie qui a sauté quand j'ai posé la question de ce qui allait nous aider, c'est d'avoir confiance et de prendre soin de soi, de se remettre en question et de s'améliorer, c'est-à-dire qu'il y a toujours des axes d'amélioration, on ne va pas parler ni de défauts ni de qualité, mais surtout des axes amélioratif, euh, on va les améliorer, on va euh, se départir, on va quitter certaines habitudes. Et ici, on parle de gardiens de la terre. Alors, on voit les ancêtres. Ici, un chaman, voilà, et on vous dit, tu n'es pas seul, les ancêtres se tiennent derrière toi, donc ici, vous êtes soutenu, demandez aussi des idées novatrices, euh, par exemple, si vous avez du mal à envisager, voilà, bah, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment le mettre en pratique. Alors, chose très importante, et je le répète, euh, l'action, voilà, vous avez un rêve, mettez-vous en action pour le réaliser, c'est-à-dire, alors, je vais vous donner un exemple très simple. Euh, je l'ai dit sur Instagram, mais je le répète ici parce que tous les jours, là, depuis quelques jours, je poste euh, les lois de l'univers. Alors, si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez les retrouver sur la section Instagram de mon site web. Où vous retrouverez tous mes posts. Euh, C'est que ne suffit pas d'affirmer pour vouloir parce que euh, je, je rêve de ceci. Voilà, c'est juste un rêve. Par contre, je me mets en action, j'ai déterminé mon rêve et je me mets en action. Euh, c'est la, la troisième loi pardon, de l'univers. Je me mets en action et c'est là que les choses bougent et que l'univers va nous aider, qu'on va recevoir des messages. C'est comme si vous vous disiez... J'ai vraiment envie d'aller à la mer, mais je ne bouge pas, je ne monte même pas dans ma voiture, mais j'en rêve. Eh bien, on va vous dire, bah oui, mais pour accomplir ton rêve, il va falloir se mettre en action. Voilà, donc ça, c'est l'idée principale, c'est-à-dire, je me replie un peu sur moi, ou bien pendant cette période de repli, je profite pour réfléchir comment je peux me sentir mieux dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à nettoyer, et je vais créer ma réalité. Donc, ici, on vous dit. Alors. Pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand vous ne le saurez pas Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et allez de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Et pour l'affirmation je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Donc, par exemple, pour trouver un nouveau boulot, je rêve euh, de trouver un nouveau job. Si vous ne postulez pas euh, via Pôle emploi, via Monster, APEC, Indeed, etc., euh, l'offre ne viendra pas à vous comme ça. Ou alors, il faudrait attendre beaucoup plus longtemps, euh, ou alors avoir sacrément de chance. Mais vous pouvez créer votre chance, c'est votre réalité. Voilà, en vous plaçant. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de cet objectif Voilà, et puis l'univers va vous aider euh, de manière à ce que vous puissiez, boum, voilà, avoir cette loi d'attraction positive qui fait que vous manifestez au lieu juste que ça reste dans votre tête, dans, dans le grenier, dans le placard, peu importe. Donc je vous rappelle sur mon blog vous avez euh, la conférence dans les vidéos qui m'ont donné une clé de Gabin Belay. Voilà, c'est le changement. Et puis... Tout ce qui est sous votre maîtrise, les pensées, vos actions, vos émotions. Donc vous êtes dans un cycle de création et en dehors de votre maîtrise, les résultats, le quand, les circonstances, le comment et les autres qui, voilà, et ça crée une fuite énergétique puisque vous êtes épuisé, vous vous épuisez en fait sur des choses en dehors de votre maîtrise. Donc vous retrouverez euh, la conférence complète hein, sur mon blog. Voilà. Et Uranus, alors... On vous dit de garder la vision, mais vous pouvez être euh, un génie dans le sens, voilà, pour euh, manifester cette vision, pour qu'elle devienne concrète et réelle, qu'est-ce que je peux mettre en place Et on vous dit que ici Uranus, c'est le novateur, c'est le réveilleur, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'éclair soudain d'une surprise qui engendre le chaos, et dans le chaos, c'est le changement. D'accord Donc, quand on garde ses vieilles habitudes, c'est qu'on a peur du chaos. Ici, on vous dit euh, c'est des chocs et des électrochocs, des changements rapides, des transformations soudaines, l'inattendu, la révolution ça peut être la chute d'un gouvernement. Une rébellion, s'élever contre l'autorité, des turbulences. On l'a vu un hein, week-end avec les régionales, euh, départementales et tout ça. Enfin bon, moi je fais pas de politique, hein, on se trompe pas de chaîne. Mais voilà, on l'a vu un petit peu au niveau des énergies ce week-end. Euh, il y avait comme un air de rébellion, comme un message à faire passer. Et on a donc tout ce qui est avant-gardiste, original, innovant, être, euh, se sentir dévasté, être déstabilisé pour. Justement, savoir vers quoi on maintient le cap, hein, ce qu'on qu a réellement envie. Euh, on peut parler de mise à l'écart ou de séparation de certaines personnes ou de certaines habitudes. On a le tonnerre et les orages. Alors, si vous vivez dans certaines régions de France, j'ai vu les photos, euh, j'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas subi trop de dégâts parce que j'ai vu des, des vitres pétées, des toits euh, complètement dévastés. Donc j'espère que chez vous, ça va bien. On parle de, de, de tout ce qui est excentrique, pardon, euh, de tout ce qui est électronique, électrique aussi, de science-fiction, de cosmos, des ovnis, des extraterrestres, tout ce qui est étranger, novateur, voilà, qui sort un petit peu du commun. Tout ça, c'est Uranus on parle et eh ben je parlais de la tour ça, ça correspond à l'énergie de l'arcane de la maison Dieu d'accord donc la tour c'est à dire la destruction la révolution le changement soudain et brusque l'innovation. C'est aussi euh, un renversement des schémas habituels. Donc euh, gardez en tête que cette période est imprévisible, notamment au niveau de vos émotions. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo de Roland Legrand, il en parle, euh, parce qu'au niveau émotionnel, ça peut effectivement pulser. Ici on vous dit, l'essentiel a été dit, mais enfin euh, les cartes résument très bien les énergies du, de, dans ce moment. Transformation, remise en cause, mort, argent, sexualité, c'est la maison 8 du scorpion. Ici, on vous demande de faire preuve de patience, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en cours, vous devez garder confiance dans le fait que les choses ont été initiés, d'accord La maison 8, ça correspond aussi à l'arcane 13 euh, de l'arcane sans nom, voilà, c'est la mort symbolique, on se dépouille de tout ce qui est inutile, afin euh, de, de rééquilibrer un petit peu, voilà, de, euh, de changer son système de croyance, peut-être même l'autosabotage. Ici, les questions de prendre soin de soi, donc ça demande du temps, une révolution, ça ne se fait pas en 5-5-12-12, hein, ça se fait vraiment sur du long terme, c'est-à-dire pour déconstruire une habitude. Il faut révolutionner quelque chose dans son quotidien et puis le faire vraiment petit à petit, se laisser du temps, soyez patient avec vous-même aussi, parce que des fois on est trop dur, on se dit je veux vraiment changer. Et puis, dès qu'il y a un couac, euh, l'univers va nous titiller un petit peu en nous mettant en situation. Et eh bien, on se décourage parce qu'on on est trop dur envers soi-même et on se dit, j'y arrive pas, euh, j'ai échoué. Alors qu'en fait, les habitudes, c'est un réancrage au quotidien. Donc, quand vous vous délestez, par exemple, ça peut être euh, la cigarette, une mauvaise habitude alimentaire, c'est, voilà, vous changez quelque chose et puis vous le réancrez en vous recréant une nouvelle habitude. Donc, ayez confiance ici les soins nécessaires sont en train euh, de. de enfin, comment dire C'est en cours en fait. Hein Là, on vous parle, on a la, le, le signe de la Vierge prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Moi, je pense que c'est vraiment. Voilà, l'amélioration est en cours. Vous êtes en train de vous dépouiller, de vous délester ça demande c'est comme si la situation vous demandait d'avoir la foi voilà vous devez avoir la foi dans la situation vous pouvez aussi vous replier sur vous-même c'est-à-dire là avec le repli sur soi on peut parler de méditation on peut aussi parler de retrouver son pouvoir personnel de voir euh, dans le silence, hein, c'est là qu'on entend le mieux les messages de l'univers. Eh bien, quelle est ma spécialité à déployer Quel est mon pouvoir euh, Qu'est-ce que je peux faire pour transcender la situation Pour changer mes habitudes euh, c est, c est En essayant, vous allez de toute façon trouver la solution. Mais en, en vous reposant, je pense que là, c'est un peu l'heure de la sieste, c'est-à-dire vous reprenez vos forces. Pourquoi Parce qu'on a juste derrière le warrior, le guerrier. Et on parle de famille, foyer, sécurité, fondation. C'est la maison 4 du cancer. Donc, la pleine lune va mettre en relief là où vous pouvez euh, réunir vos forces. Et vos forces, c'est euh, voilà, au niveau des soins personnels, au niveau de votre valeur interne aussi, votre système de croyance. Vous êtes en train de révolutionner, mais ça se passe tranquillement, presque pas en dormant, hein, bien sûr, parce qu'il faut se mettre quand même en action. Mais c'est... Dans les petites habitudes du quotidien, tout seul chez soi ou euh, voilà euh, en famille tranquillement, euh, c'est pas en changeant euh, de maison. Ça peut parler d'un déménagement avec Uranus, mais c'est surtout voilà, je vais essayer au quotidien de changer une habitude, mais c'est pas en faisant euh, des grands chambardements. C'est plutôt je déconstruis pour mieux construire, mais petit à petit. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Mais il y a quand même une énergie très tranquille et en même temps une énergie euh, très enfin. Qui pulse hein, entre le Warrior, l'Uranus. Ura euh, voilà, on a quand même cette énergie très forte. On a Mars en Lion, hein, donc forcément, euh, on est un petit peu. Euh, on va dire que les énergies de puissance sont exacerbées, notamment au niveau de la créativité, puisque là, avec le Bicintile, on vous parle de créativité. Et Mars, c'est l'action. Donc soyez créatifs dans votre manière de changer vos petites habitudes. Voilà, pour résumer. On a les limites avec la rétrogradation, on revient sur nos limites pour mieux les comprendre, pour penser différemment, pour avoir de nouvelles perspectives, pour voir autrement, pour réfléchir. C'est le but d'une rétrogradation. Donc ce n'est pas que les choses sont forcément ralenties, c'est juste on revient, on ramasse peut-être les plumes qu'on a laissées en se disant... Voilà, comment je peux faire différemment pour que la prochaine fois, quand je serai mis en situation ou mise en situation, euh, voilà, par exemple un collègue euh, qui, euh, qui vous enquiquine, vous allez peut-être juste lui parler différemment. Et ça suffira. Voilà. Au lieu de prendre pour habitude de lui répondre, vous l'ignorez une seule fois et ça va peut-être remettre d'équerre euh, ce que la personne pense de vous ou sa manière de vous traiter, etc. etc. Donc ici revoir un petit peu ses limites, ses croyances, toujours dans l'amour. Alors l'amour de soi bien sûr, euh, l'amour de son prochain, puisque on a Uranus et on est dans la enfin, l'ère du Verseau. L'amour et le talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant, on vous dit. Euh, Qu'ici, faites les choses. Euh, Aimez-vous, aimez vos défauts, aimez vos zones d'ombre. Euh, là, ça va vous permettre de regagner confiance, parce que bien sûr, si vous ne vous aimez pas, vous allez toujours vous créer une béquille euh, avec les autres. Hein. C'est-à-dire, j'ai besoin des autres pour avoir confiance en moi, pour pouvoir avancer. Euh, je demande l'avis des autres euh, pour euh, initier un projet et tout. Euh, vous pouvez pas. C'est pas possible à long terme, donc euh, voilà. Ici, on vous dit prenez soin de vous, de votre intérieur, hein, de je pense votre maison intérieure, c'est-à-dire votre corps, vous-même, euh, peut-être votre intérieur, votre maison, votre appartement, votre habitation. Ici, recréez votre réalité, c'est-à-dire euh, gardez le cap sur ce que vous voulez vraiment et puis mettez-vous en avant. Ok, donc ça, c'était la mise en bouche, l'apéritif. On va maintenant passer. Euh, au tarot de Marseille. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, justement, je vous prépare une vidéo. Euh, je vous en dis pas plus. Elle sortira, j'espère, d'ici deux jours, hein, euh, avant la fin de semaine. Je vous promets rien parce qu'en ce moment, euh, tout mon agenda est bousculé. As de bâton. Bah voilà, on vous parle d'action. Ici, on vous dit mettez-vous en action, essayez, tentez, réessayez, prenez la leçon de ce qui n'a pas fonctionné quand vous avez tenté d'une certaine manière, en vous disant bah, j'ai pas, euh, <coughs> la prochaine fois je ferai différemment. Et c'est en ça que vous êtes novateur, d'accord C'est pas en tout révolutionnant, en n'étant pas vous-même, mais c'est en gardant le cap sur ce que vous voulez, vous voulez vraiment et en modifiant vos petites habitudes que vous allez Petit à petit réussir. Donc là, on vous dit mettez-vous en action. En d'autres dès qu'on a quoi, bah ben voilà, on a le valet de bâton, c'est-à-dire amusez-vous. Ça, c'est le message principal de ce, de ce tirage. C'est toujours en s'amusant, voilà, qu'on verra euh, les choses avancer. Au lieu de se dire c'est difficile, ça m'étonnerait que ça marche, on va se dire bah tiens, je vais tenter, je vais me mettre en a... je le fais. Et on verra bien ce que ça donne. Donc on est dans le, euh, la tentative, l'essai, l'amusement, la joie enfantine, euh, la chance aussi. On provoque sa chance, on se crée sa réalité. On réajuste si nécessaire. Et puis là, on découvre des opportunités, des champs des possibles. Je vous en avais déjà parlé, donc si ça vous intéresse, il y a le livre sur mon blog, je vous en ai parlé il y a un moment, euh, du champ des possibles d'Olivier Laruelle. Voilà, euh, pour élargir son champ des possibles par l'auto-hypnose, voilà, donc vous avez juste un réajustement, enfin, vous avez un réajustement du cerveau euh, qui est parfois euh, juste nécessaire, c'est-à-dire penser différemment, et c'est ce que ces rétrogradations nous amènent à faire. Le 6 de denier, 7 de denier, ok, donc là on fait le bilan, la manière euh, dont on se compromet, c'est-à-dire dans notre système de valeurs. Ici, on est en train de regarder un petit peu le, euh, comment dire, le potager, ce qu'on a planté comme graines, comment ça se manifeste auprès des autres. Parce que là, on parle de, euh, de compromis. Ça peut être un compromis au niveau euh, <coughs> d'un finan enfin, de, des finances. Hein. Mais moi, j'ai surtout l'impression... Euh, que c'est au niveau voilà qu'est-ce que je suis prêt euh, ou prête à laisser de côté, euh, à cadrer parce que des fois dans notre système de valeurs on laisse les autres faire un peu n'importe quoi. Donc au niveau euh, du compromis par exemple en couple ou alors un contrat parce que ça c'est très important aussi. Quand, quand on cherche un emploi ou qu'on laisse un patron euh, dans un emploi déjà existant faire n'importe quoi, ou édicter ses règles sans qu'on ait son mot à dire, eh bien, c'est déjà pas bon. Donc là, c'est important de revisionner un petit peu euh, comment on veut que les autres interagissent avec nous, puisque le 6 de denier, ça va parler d'association, de partage, de collaboration, mais aussi de communication. Et donc, dans la communication, je comprends ce que tu me dis je ne suis pas nécessairement d'accord avec, on trouve un compromis sans que l'un et l'autre se, se, se trouvent, enfin, euh, aient l'impression d'y avoir laissé une jambe, quoi, ou alors toutes ces valeurs. Parce que des fois, on se dit, bah, voilà, j'ai concédé ça, mais je me suis compromis, et puis du coup, on gratte là où ça faisait pas mal, et puis on contribue à se faire mal tout seul en ayant accepté des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Donc ça, c'est un peu le bilan de ce que vous faites en ce moment. On a le set de coupe. Euh, J'en parlais. Le set de coupe, c'est tout ce qui va être au niveau des illusions. Voilà, j'ai plusieurs choix. Qu'est-ce qui est le meilleur choix pour moi j'écoute mon cœur euh, plutôt que mon imaginaire, euh, mon mental, parce que j'ai peur de me tromper avec le mental. Par contre, mon cœur sait déjà. Et quand bien même euh, ce n'est pas la bonne solution, c'est ce que j'ai identifié comme étant meilleur pour moi à l'instant T où j'ai fait ce choix. Donc ici, il y a un choix à faire, c'est-à-dire comment je communique. Je fais un bilan. Est-ce que je ne me suis pas trop compromise, compromis dans cette situation Est-ce que je ne communiquerais pas différemment ce qui serait plus pertinent pour moi et ce qui me permettrait justement euh, de voir que tout roule en fait Parce que le set de denier, c'est aussi plus tard la récolte de ce qu'on a planté. Donc autant planter des choses qui sont fertiles, autant planter des choses qui nous correspondent maintenant, parce que plus tard quand viendra la récolte, bah, vous ne serez pas déçus. Et c'est ce que vous dit le 7 de coupe, attention à la désillusion. C'est-à-dire ce qu'on a planté, <coughs> pardon, bah, décidément, j'ai le chakra-gorge en ce moment qui, qui, veut, euh, qui veut expectorer un truc. Euh, voilà, c'est peut-être aussi au niveau. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est au niveau de la communication. Trois de bâtons, à partir du moment où vous vous mettez en action, on vous dit à court terme, vous vous mettez en action, euh, vous allez initier justement un nouveau projet, vous allez y aller et vous, ça va payer, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Derrière, on a quoi Le fou, le mât. On recommence différemment. Je pense que pour beaucoup de personnes, en tout cas, vous me direz, et puis là, on a Uranus, hein, euh, voilà, en symbole. Euh, je pense que pour beaucoup de personnes, ça va être je veux quelque chose de nouveau ou bien je veux recommencer, euh, mais je recommence différemment. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus de lâcher prise. Le fou, c'est un peu, euh, peu importe ce qui arrivera demain, je tente, j'essaye, et c'est un peu, pas je m'en foutiste, mais plutôt je me fiche des conséquences, je, je suis authentique, euh, je me déleste de tout ce qui était inutile. inutile. Le fou, c'est le zéro, c'est-à-dire l'état zéro. On n'est ni à la fin ni au début. On est dans cette espèce de je découvre. Euh, une fois que j'ai tout découvert, eh bien je recommence à zéro. C'est un peu ça, hein, je fais table rase. Oui, c'est... Oui, voilà, tab table rase, ce que j'étais en train de me dire, table basse du passé, non, non, c'est pas ça l'expression, vous savez que je les réinvente, mais quand même. Donc, table, table rase du passé, et avec le fou, on recommence, mais différemment. D'accord, ça c'est important. Alors, au niveau ASDP, voilà, on a la clarté d'esprit, on sait ce qu'on veut et on va le manifester, on va le matérialiser. Il euh, y a la matérialisation, il y a la mise en action parce qu'on a une clarté d'esprit, on sait très bien ce qu'on veut, on veut quoi Voilà, on veut quitter euh, un cycle où on se sentait euh, délaissé, trahi. Le 10 d'épée, c'est vraiment euh, tout ce qui va être trahison, mais trahison pas forcément des autres, trahison de ses valeurs, donc trahison de soi-même. La blessure de trahison, des fois en n'étant pas sincère en se disant, j'ai peur du jugement des autres, j'ai peur de ce qu'ils pensent de moi si je dis ça. Donc je pense à leur place, donc je me brouille mentalement, je ne sais plus quoi faire, quoi dire, quoi penser. Eh bien, je me trahis moi-même parce que je ne suis plus euh, du tout en accord entre ce que me dit mon cœur, mon esprit, ce que me dicte mon corps aussi, parce qu'il a son mot à dire. Donc là, on termine tout ça. Et regardez derrière, on avait quand même le diable. Ouh, on avait quand même du lourd hein, derrière. Ok. Là, euh, 10 épées, le diable et 3 d'épée, une blessure non résolue parce qu'on continue à la gratter. Et justement, c'est dans le système de croyance et de valeur. Donc, en ayant l'esprit clair, enfin, ce que vous allez gagner, c'est l'esprit clair, limpide, la conscientisation des choses, associée à l'action, hein, as de bâton, as d'épée. On est dans une énergie très yang, c'est-à-dire je me mets en action, je décide et je me mets en action. Et là, c'est l'action qui me permet de réajuster mes valeurs, qui me permet de euh, manifester, de concrétiser, euh, d'aller à la rencontre de mon succès et d'avoir les idées claires sur ce que je veux, de garder le cap en fait. Hein, c'est vraiment ça. L'ASDP, c'est la direction, elle est là-bas, elle n'est pas là-bas, elle n'est pas là-bas. Peut-être qu'on verra si. Non, je veux ça, j'y vais. Point. Point à la ligne. Rien de plus à dire. Alors... Et on a le chevalier d'épée retourné. Alors, le chevalier d'épée, c'est la, la prise de décision, mais associée peut-être à de la colère. Euh, C'est-à-dire, j'ai la niaque, peu importe ce qui arrivera, je m'y mets et tout ça. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus adouci. On a le 8 de denier, donc le travail est en train de payer. Le travail sur quoi Sur vos émotions. Derrière on a un nouveau cycle avec le battleur qui attend. Euh, mais tout d'abord, on doit maîtriser, on doit arriver à cette maîtrise émotionnelle. Donc dans la manière de communiquer, parce que le, valet euh, le cavalier d'épée, pardon, ça va être la communication. Ça peut être une communication impulsive. En tout cas, ici, je vais recompléter, je pense, hein, parce que j'ai besoin de plus d'informations. Avec le cavalier d'épée, on vous parle euh, d'impulsivité, de, de, pas de rage. Mais j'ai quand même cette idée que c'est un peu... Euh, Papa, tu enfin, j'allais vous tutoyer, alors vous êtes nombreux. Enfin, euh, Vous voyez l'idée, c'est un peu... Voilà, j'ai tellement d'ambition, de combativité, de désir que je peux en devenir. Euh, c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire je peux être trop intransigeant. On n'est pas au niveau de la reine d'épée, mais quand même. Donc ce cavalier... Ce cavalier d'épée, euh, il nous dit, alors renversé bien sûr, il nous dit que... Euh, les choses tendent vraiment... Alors, on revoit son système de communication, encore une fois. Moi, j'ai l'impression que c'est... Euh... Oui, on a le fou. Je pense que c'est... Voilà, j'exprime ma vérité sans me soucier euh, des conséquences, de ce que pourraient ressentir les autres. Parce que sinon, on se prend trop la tête. Euh, c'est bien de, de l'empathie, mais pas au point de nous bloquer complètement. Et là, j'ai l'impression que... On ne se soucie pas vraiment, on sait ce qu'on veut, donc on ne se soucie pas vraiment des conséquences de ses actions, on ne réfléchit pas euh, 100 ans avant d'agir, on agit point et on ajuste si nécessaire parce que euh, on se dit bah voilà, c'est vraiment ce que je veux et au besoin, je réajuste. C'est ce que je vous disais depuis le début. Alors on va continuer on va compléter l'as de bâton. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être justement se mettre en action, c'est-à-dire je fais différemment. Et cette fois-ci, je bouge. Euh, alors, on a... Je vais prendre comme ça. Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà, la reine de coupe. On écoute son intuition on écoute ses tripes. Là, il y a vraiment euh, l'as de bâton, reine de coupe. J'écoute mes intuitions, mes émotions, ça peut être je reçois le conseil de quelqu'un qui a l'expérience, la bienveillance, qui est à l'écoute, qui veut me protéger, ça peut être une voyante aussi ou alors voilà, je me mets en action par rapport à ce que je ressens comme étant utile, comme étant nécessaire, comme étant aussi fertile puisque la reine de coupe c'est vraiment euh, la sensibilité, l'échange avec le plan supérieur. On parle de guérison émotionnelle, c'est-à-dire que là, on est plus à l'écoute de ses propres émotions, on est beaucoup plus bienveillant envers soi-même, et donc il n'y a pas d'hésitation quand on se met en action. Ok Alors, le 6 de denier, 7 de denier, qu'est-ce qu'on a On avait quoi en le deck Trois de coupes, ok. On est plus dans la joie, dans le, dans le partage, dans la communauté, j'entends. Oui, dans la communauté. C'est-à-dire, voilà, j'attire aussi à moi des personnes qui me correspondent, des âmes sœurs, comme on dit. C'est-à-dire qui m'élèvent, qui me tirent vers le haut, euh, qui m'aident aussi dans des projets. Ça peut être ça, avec le 3 de coupe. Ou alors on a écouté les bons conseils de personnes qui étaient vraiment bénéfiques pour son évolution personnelle, au lieu d'écouter des personnes néfastes et négatives. Euh, ok, là on a le 10 de denier. C'est dans la maison, ça se passe dans les valeurs, dans la maison, dans l'héritage aussi, de quoi je dois me dépouiller, qu'est-ce que j'ai comme on va dire euh, sac. Euh, enfin j'ai l'idée d'un coffre d'un sac voilà qu'est-ce que vous aviez de base c'est à dire dans l'héritage dans vos valeurs familiales transgénérationnelles et qu'est-ce que vous, vous avez le droit aussi d'innover en vous disant mais je suis pas obligé de suivre un karma familial de faire comme ma famille a fait euh, par exemple si vous héritez d'une maison et que cette maison vous plaît pas que vous n'avez pas envie de faire des travaux vous pouvez la mettre en vente en vente pardon mais vous n'êtes pas obligé de la conserver par loyauté parce que des fois en étant loyal envers les autres on en est déloyal envers soi-même. Ok, donc il faut un juste milieu bien sûr, hein, mais euh, c'est avant tout avec vous-même que vous devez gérer au quotidien. Donc posez-vous les questions. Après, ça peut être je fais le bilan. Ça peut être je parlais d'un euh, accord financier, d'un bilan par rapport à la vente d'une maison. Euh, là il est question vraiment d'habitation. De, de, Ok, ou alors, voilà, moi je veux vivre là, l'autre personne veut vivre là-bas, on trouve un compromis, ça peut être entre deux villes, ça peut être, bah voilà, moi je veux être propriétaire, toi tu veux continuer à louer, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est le bon moment pour agir Ici on a quand même le roi de denier. Donc on vous dit que vos actions vont être associées aussi à de la chance, à de la récolte, à de la réussite, à du pouvoir. Je pense que vous êtes en train de consolider quelque chose au niveau du matériel, au niveau du pouvoir aussi. Peut-être de votre corps, hein, vous prenez plus d'assurance parce que euh, vos racines... Vos croyances, vos racines sont consolidées. Donc, du coup, dès qu'il y a un coup de vent, vous n'êtes plus en train de, de, de voltiger à droite, à gauche, en vous faisant balloter par la vie, par les autres, par les circonstances, etc. Là, vous êtes plus solide. Et ce n'est pas un petit coup de vent qui va vous déstabiliser. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a une force qui se dégage hein, de, votre, de votre tirage. Derrière, on a le 3 de denier association, partage. On est dans le conseil et le partenariat. Donc je pense que là c'est plutôt au niveau du projet, ça peut être plutôt au niveau du professionnel que les cartes nous parlent. C'est pas sentimental là, j'ai pas trop l'impression. La tour, on détruit son système de croyance, on passe à l'action, on arrête d'être statique, d'être observateur, euh, d'être passéiste, j'entends, et on se met en action pour détruire certaines choses, c'est-à-dire voilà, j'ai la vision. De tout ce que je dois détruire. C'est pour ça qu'il y a l'as d'épée juste après, parce qu'une fois qu'on s'est dépouillé de tout, même si ça peut paraître un orage dans notre vie, parce que la tour, c'est pas forcément agréable, par contre, c'est nécessaire. Parce qu'avant la tour, il y a le diable, et après la tour, il y a l'étoile. Et l'étoile, c'est quand même la douceur, euh, la, la sensibilité, le destin, le dépouillement, euh, la générosité aussi, la bienveillance. Mais on doit en passer par là, parce que le diable a tricoté. Voilà, nous a euh, finalement enroulé comme un serpent et nous a bien. Euh, comme un, un anaconda, hein, et nous a étouffé. Et du coup, pas bah, on détruit tout ça. Et là, on se met en action. C'est-à-dire qu'on matérialise sa pensée. On a les idées claires. Et du coup, euh, c'est un peu la clarté d'esprit après l'orage. quoi. C'est-à-dire, voilà, une fois que l'orage a éclaté, tout est frais. Et on retrouve ce roi de denier. Hein. OK Donc, l'as d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit il nous parle de 5 de coupe et le 5 de coupe est tombé à l'envers, c'est-à-dire que là on se remet d'une grande tristesse, d'une grande peine, on sait ce qu'on veut et regardez derrière, magnifique, on a le soleil, c'est-à-dire que euh, bah, après l'orage, le soleil brille à nouveau, après la pluie, le beau temps et que ici on vous dit euh, la pluie, la, la grosse tornade qu'il y a eu dans votre vie est terminée, c'est passé il y a certes des choses qui ont été coupées qui ont été déracinées mais finalement c'était des choses qui n'étaient pas très solides dans votre vie donc c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien et que là forcément vous êtes en train de vous remettre de guérir d'une grande peine à long terme je pense aussi alors on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut plus mais on va surtout se concentrer sur ce qu'on veut ce qui permet de ne pas euh, conserver des énergies, euh, des énergies tristes en fait, des énergies peut-être de ressentiment, de, de rancœur, de rancune, même si le 5 d'épée c'est plutôt le chagrin, le, les pleurs, euh, pourquoi j'ai perdu ça Là on se dit ok je l'ai perdu, bah maintenant que c'est perdu, je vais reconscientiser, je vais re-réfléchir, je vais faire appel euh, vraiment... À la planification, voilà, il est temps de conscientiser, de planifier. J'ai les idées claires et tout s'éclaire. Là, il y a une réussite hein, avec le soleil. Derrière, on a quand même euh, le cavalier de denier, c'est-à-dire qu'en ayant fait le bilan, maintenant, quand on va bouger, c'est pour du solide, du concret, du stable, du fiable, du durable. Donc, ça peut être là en amour, ça peut être dans d'autres domaines, peu importe, vous transposez. Euh, cavalier d'épée à l'envers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit et le pendu. Ah, le pendu et le 7 d'épée. Ok, ici, il n'est pas impossible qu'on vous demande de regarder les choses différemment. Le 7 d'épée, c'est vraiment un renard à deux faces. Hein. C'est-à-dire que le renard, il peut être rusé, dans le bon sens. Euh, C'est-à-dire, voilà, je vais être malin et je vais me barrer de là parce que c'est malsain pour moi. Comme ça peut être une personne malsaine euh, qui essaye de vous manipuler. Là, il est question de voir les choses différemment. Euh, Peut-être qu'avec le cavalier d'épée retourné comme ça, on vous parle euh, d'agir impulsivement, euh, de, de, de ne pas réfléchir avant d'agir, ou d'être dispersé dans ses pensées, on vous dit la dispersion crée des pensées négatives, et il est temps de stopper un peu, de ralentir. C'est le bilan, hein. là on est dans la synthèse du tirage en croix, euh, de ralentir pour voir les choses différemment. Voilà, c'est un peu le upside down, upside down c'est-à-dire je me retourne, je vois les choses différemment. Pourquoi il y a eu ce feu rouge dans ma vie Pourquoi il y a eu cette tempête Qu'est-ce que finalement ça m'a enseigné Et c'est là que vous êtes novateur et vous avez les idées claires. Ok d'accord, très bien, ça s'est passé. Maintenant je sais ce que je veux. Je réajuste aux besoins. Des fois l'univers va vous dire, bah, on te prise un truc pour savoir si c'est vraiment ce que tu veux voilà, pour réajuster, non mais c'est vraiment ce que je veux, ok, d'accord, mais on te prépare quelque chose d'encore mieux, donc ne pas attendre de résultats, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, d'être novateur, euh, les chambardements sont confirmés hein, par Uranus, le 6 de denier, 6 de denier, donc c'est vraiment, euh, voilà, ce que j'apporte, ce que je reçois est ce que je donne aussi. Donc, est-ce que ce que je reçois est à la mesure de ce que je donne Non, oui, et vous ajustez en fonction. D'accord Donc, est-ce que cette personne en vaut la peine Parce que moi, j'ai beau faire des efforts, la personne ne bouge pas d'un iota. Très bien. C'est comme ça, on ne va pas s'en plaindre, des fois c'est comme ça. Eh bien, moi, je vais redéfinir mon système de valeur et la personne, elle réfléchira ou pas, mais en tout cas, c'est ma vie dont il s'agit, c'est de mon bien-être dont, dont il s'agit. Donc, il est important pour moi de faire les changements nécessaires, de passer à l'action et d'avoir les idées claires sur ce que je veux. Bon, bah, rien de neuf sous le soleil. Attendez, on va remettre ça quand même à l'endroit. Ok, ça aussi on le remet à l'endroit et on va aller voir maintenant ce que la pleine lune va nous faire travailler. C'est important. Alors, alors c'est un égrégore énergétique général, bien sûr, ça ne remplacera pas une guidance privée. L'intention d'autrui, donc on retrouve ce diable et ce 7 d'épée qui était quand même en fond sonore hein, dans notre tirage, donc ici notre système de valeur. est-ce que cette personne en vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine que je lui réponde, est-ce que ça vaut la peine que je lui accorde mes énergies, est-ce que cette personne ne serait pas en train de me rejeter et j'ai du mal à m'affirmer, donc comment je peux m'affirmer différemment euh... Je m'exprime et je ne m'occupe pas de son avis, de son opinion, de son jugement. Et donc, je ne me crée plus de poignard énergétique parce que je ne me calque plus sur l'énergie négative de cette personne. Elle est négative, c'est son problème, pas le mien. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Lien à la mère. Bon, ça peut être la mère qui vous a transmis une insécurité, un sentiment d'abandon, une peur du rejet, ou bien ça peut être la mère qui est comme ça. C'est possible aussi, d'accord Donc vous transposerez, vous verrez comment ça se manifeste. C'est peut-être elle qui a eu des difficultés à s'affirmer, qui vous l'a transmis. Ou bien euh, vous avez du mal à vous affirmer par rapport à votre maman, enfant intérieur. Donc là, c'est dans l'enfance qu'il faut régler certaines choses. C'est votre enfant intérieur hein, euh, qui n'a peut-être pas conscientisé. Euh, qui s'est calqué sur les énergies et qui finalement, là en tant qu'adulte, vous vous dites mais ça coince, mais je ne sais même pas où. Et eh bien ici, on vous dit c'est peut-être dans l'enfance, en tant qu'enfant, qu'il s'est passé un truc avec la mère et que là vous êtes en train de réajuster. Parce que des fois, c'est juste un modèle éducationnel, on admire sa mère, sauf que la mère a elle-même ses propres blessures, donc on se calque sur cette énergie et on se rend compte qu'aujourd'hui ça bloque. Alors il y a un choc émotionnel culpabilité ici on vous demande justement d'arrêter de vous sentir coupable d'arrêter de penser à la place des autres de vous mettre à la place des autres en étant peut-être trop empathique alors si on est trop empathique ça veut dire qu'on est en pâte et qu'on absorbe les énergies des autres donc là il va falloir couper je pense que la lithothérapie serait bien indiquée pour créer un bouclier protecteur euh, non bah c'est fini là pardon je voilà on avait de l'auto sabotage je croyais que j'étais déjà passée à la suite alors, hop, voilà, là, on a la suite. Donc, comme on nettoie ça, si la, la lithothérapie sort, euh, non, a priori, aide d'un thérapeute. Ok. Alors, je vais quand même tirer une carte sur la lithothérapie, parce que des fois, il suffit de rien. Pour d'autres, il, suffi, il suffira d'une séance avec un magnétiseur, avec une thérapeute, un hypnothérapeute. Alors, là, hop. Alors je les remets parce qu'elles sont tombées un petit peu trop vite et je n'ai pas eu le temps de vraiment les mélanger. Allez, de quel pierre on a besoin pour se libérer des énergies des autres Lapis, lazuli, si tu cherches à ouvrir tes perceptions et affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Et là on parle de nouvelles idées, ok alors, lapis lazuli très bien. On a derrière l'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Donc là, avec ces pierres, vous allez pouvoir re-rayonner, euh, c'est aussi la manière dont on se parle qui des fois peut créer des poignards énergétiques, c'est-à-dire qu'on croit parce que la mère nous a répété toute notre enfance que ceci, que cela, ça peut être sa perception du monde a, avec laquelle elle vous a éduqué, ça peut être vis-à-vis -vis de vous-même, si elle vous a rabaissé ou si elle vous a fait croire que, mais là il est question de revenir sur l'enfant intérieur qui a cru certaines choses et il y a un lien avec la mère. Voilà, donc vous transposerez bien sûr, sinon ce sera en guidance privée. Alors, juste pour information, je suis en vacances du 1er juillet au 18 juillet inclus. Euh, les guidances pour la première semaine du 19 au euh, 26, il me semble que tout est déjà complet. D'accord Donc, vous verrez les créneaux dispo sur le site. J'ai élargi un petit peu à 45 jours au lieu de 30 les réservations possibles. Voilà, c'était la petite communication utile parce qu'on me pose tous les jours la question. Donc, là, je vous le dis. Alors, ici, il est question de paix intérieure, de faire la paix avec, de revenir sur pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir pacifier. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de l'aide d'un thérapeute. Ok. Alors, ce qui bloque. Retombées positives. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore... Voilà, ça stagne. Vous ne voyez pas encore les retombées positives parce qu'il y a encore des choses en cours. C'est pour ça qu'il est temps de se mettre en retrait, de se replier un peu. On a la croisée des chemins. Donc, oui, effectivement, il y a un point de non-retour. Hein. De toute façon, une fois que vous aurez dit les choses, vous savez que ça va changer. C'est peut-être juste ça dont on a peur. Hein. Parfois, on se dit voilà, si je m'exprime, je sais que ça va être sans retour, sans appel, euh, qu'il n'y aura pas de, 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 de retour en arrière. Donc, des fois, inconsciemment, on peut se bloquer. Alors que là, il est temps de s'exprimer. Il y a eu un choc émotionnel et une culpabilité qui restait. Les forces divines, euh, le résultat, la réussite. Voilà, donc la force divine, c'est que l'univers va vous mettre à la croisée des chemins, c'est-à-dire soit ça, soit ça, mais choisis en fonction de ce que tu estimes nécessaire pour toi. Je vais quand même reposer les cartes dessus. Paix intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit Besoin d'ancrage, voilà, donc ça répète, enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hop, 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 non, 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 là on a trop de choses. Euh, on a la période de stagnation, donc c'est confirmé. Croisée des chemins, c'est peut-être là qu'on aura une information. Sur la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on vous dit Événement proche. Ouais, ça va être d'un coup, d'un seul. Hein. Avec Uranus. Et ici, on a quoi La grosse avancée karmique. Donc, vous allez réussir à bouger les choses. Et regardez derrière, en d'autres deck. Amour durable. Ok, bon, bah, c'est pas mal tout ça. Euh, on a quand même ici juste la stagnation. Parce qu'on doit revenir sur encore une fois, donc rien de nouveau sous le soleil, les cartes nous confirment tout ce qu'on disait avant. C'est parfait, c'est cohérent. Alors hop. Alors ici, on va aller voir un petit peu dans le contexte qu'est-ce qu'on a euh, actuellement. Là, il y a le pardon qui est resté, je ne sais pas si c'est fait exprès euh, des cartes ou pas, mais si ça vous parle et que vous savez que vous avez des choses à pardonner. Pardonner, ça peut être l'occasion justement de, de, de libérer aussi certaines énergies qui peuvent stagner, parce que tant qu'on ne pardonne pas, ça peut euh, effectivement bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît Hop là, On a les pleurs. Ok, bon, bah, ça c'est le 5 de coupe. On termine. Hein. Ok, donc ce qu'on quitte, ce qu'on a en aide, le départ. Voilà, on quitte les pleurs. Hein. On, se, on se sépare aussi de certaines choses. Voilà, il y a le changement qui arrive. Je vous montre les cartes après. Je continue le tirage. Victoire, voilà. Et puis ici, on a quoi La ville. Alors la ville, ça peut parler de mouvement, de départ vers quelque chose. Voilà, il y a un pourparler, c'est-à-dire une négociation. Peut-être qu'on veut déménager, on veut partir vers quelque chose qui nous correspond mieux. C'est comme ça que j'entends la ville. Alors, ok, on avait le pourparler ici. Sur les pleurs, qu'est-ce qu'on vous dit Militaire. Ok, ignorance. Là, on va se réaffirmer un petit peu. Hein, j'ai l'impression que qu'on retrouve cette idée de, de cavalier d'épée, c'est-à-dire on se réaffirme. Voilà, il n'est plus question de se laisser apitoyer, de s'apitoyer sur soi-même. On se dit, ok, moi, c'est bon, j'ai su mes larmes, euh, je me mouche un coup et puis je, je vais à la suite, quoi. Parce que là, on a départ, changement, victoire. Euh, ça parle de... ça parle tout seul, hein. Donc, le départ, dissension. C'est-à-dire qu'on se sépare vraiment, là on a l'idée du chariot, on se sépare vraiment d'une personne ou d'une situation, ou bien d'un logement. Ça peut être ça aussi, parce qu'on a identifié que finalement, euh, on ne sentait pas bien chez soi. Donc, on ne pouvait pas aller mieux ailleurs, que ce soit au travail, que ce soit euh, au niveau de la vie sentimentale. Ça peut même être euh, des fois, vous savez, euh, quand on a des, des appartements, euh, des maisons hyper connectées. Par exemple, moi, j'ai rajouté... Alors, euh, voilà, on ne la voit plus, euh, mais j'ai rajouté cette, euh, cette tour euh, en sélénite. Eh bien, ça permet justement de rajouter des ions négatifs parce que tout ce qui est électronique va créer que des ions positifs. Donc, ça peut créer de la fatigue. Manque de sommeil parce qu'on n'arrive pas à dormir tout simplement parce que la tête elle réceptionne hein, est, ça fait partie de notre corps énergétique et que on s'affaiblit alors que là en se servant de la lithothérapie en se servant euh, d'énergie positive de sauge etc on purifie l'énergie et puis des fois quand on se dit ben voilà finalement ça passe pas, j'ai beau faire, c'est peut-être juste sans droit. Donc il euh, y a le géomagnétisme hein, qui pourra vous aider, faites appel à un magnétiseur, il vous dira euh, où mettre par exemple certaines pierres. Euh... Il va penduler. Moi, je l'ai fait des fois en séance privée euh, et ça me permet de savoir ce qui bloque parce que des fois, c'est pas vous, c'est pas le travail, c'est pas la vie sentimentale, on n'y pense pas assez et ça peut être l'environnement qu'on s'est créé euh, parce que tout simplement vous vivez dans un endroit euh, à côté d'un cimetière où il y a eu beaucoup d'énergie négative où les anciens locataires ont laissé des énergies donc voilà. Et puis on n'a pas pensé à purifier parce qu'on se dit ben, c'est un bel appart, etc., etc. Ici, on vous dit. Ah, dispute intestine, d'accord, donc ça peut être justement l'estomac, les intestins qui, qui ont envie, enfin euh, comment dire, quand on a par exemple des gastrites, des gastroentérites et euh, syndrome du côlon irritable ou je ne sais quoi, eh bien c'est tout simplement votre corps qui est en train de vous dire là où ça pêche euh, votre âme, elle va dire à votre corps manifeste-toi là, donc vous irez voir dans le dictionnaire des malaises et maladies, vous regardez là où vous aimez mal, vous allez chercher euh, la définition correspondante, hein, c'est de Jacques Martel, euh, oui c'est ça, Jacques Martel, et vous verrez que votre âme, elle, se, elle vous dit là où ça ne va pas et où vous devez changer. Par exemple, quand vous quittez un endroit, euh, vous vous sentez soulagé, même si c'est euh, vous avez passé une bonne soirée, vous étiez avec des personnes auprès de qui vous vous êtes senti malade, mal à l'aise, vous avez mal diré, digé, digéré, pardon, ce soir-là parce que vous étiez avec quelqu'un de bien spécifique. Euh, voilà, ça peut être ça qui va vous dire là où vous devez changer. C'est pas forcément l'alimentation, ça peut être aussi. Euh, oui, ce qu'on mange, par exemple, euh, voilà, les conditions. Euh, euh, les conditions, euh, je mange à 22h, donc je digère à 23h, donc à, à 20 minuit, je suis encore en train de travailler, je ne m'endors pas. Euh, ou bien, euh, ça peut être tout simplement ce qu'on mange, mais moi, j'ai plutôt l'impression, c'est par rapport à des personnes. On doit se séparer, voilà, déclaration victoire. Je pense que certains départs vont provoquer un chambardement chez les autres, c'est-à-dire votre entourage qui va se dire Mince, là, on a atteint le point de non-retour, la personne n'en peut plus, enfin euh, vous, hein, vous n'en pouvez plus, donc vous décidez purement et simplement de penser à vous, et ça va créer un déclic, euh, un, un électrochoc chez la personne. Alors un déclic positif ou négatif, mais en tout cas pensez à vous, n'attendez pas que cette personne réalise parce que des fois on se dit oui, bah, j'attends qu'elle change, bah, vous allez attendre longtemps parce que vous êtes encore acquis. Par contre, vous vous dites ok, moi je bouge, je change, je fais le nécessaire, la personne va se dire mince, c'est plus que des paroles en l'air. D'accord, parolé, parolé, parolé de Dalida, euh, c'est fini, ça va deux secondes. D'accord, vous avez dit une fois, deux fois, trois fois, la, la quatrième fois, c'est bon stop. Et c'est là que la personne va se dire mince, elle était sérieuse parce que juste avant elle ne vous prenait pas au sérieux. La ville, s'il vous plaît. Non, là je le sens pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a La force majeure. Vous reprenez de la puissance. Vous reprenez en activité. La ville représente l'activité, euh, tout ce qui va être pas l'urbanisme hein, euh, forcément, mais ça va être surtout la densité de population. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous sortez. Voilà, au lieu d'être dans la critique, vous êtes dans l'échange dans constructif. D'accord Donc ce départ, quel qu'il soit, ce changement initié par un départ, par un, un, une nouvelle habitude, va créer une victoire parce que là, il y a des choses qui vont être discutées, qui vont être dites. Hein. J'ai l'impression aussi on a du jaune, euh, ça peut être au niveau de la citrine, de l'estomac, de la confiance en soi, on se fait des nœuds à l'estomac. Voilà, j'entendais ça. Donc ça peut être au niveau du, du travail, au niveau de la, la communication, j'ai peur de m'exprimer, donc je me fais des nœuds au cerveau, euh, des nœuds à l'estomac. Donc la personne, elle se dit, bah je ne sais pas pourquoi, à chaque fois ça ne va pas. Euh, mais voilà, il y, y a cette notion, ok, de, de vraiment... Oui, avec la citrine, c'est-à-dire je prends confiance en moi, je m'exprime, je me libère d'une sensation de poids, donc ça peut être aussi au niveau du plexus solaire. Et avec l'obsidienne dorée, voilà, j'offre le rayonnement. On avait le soleil, la citrine, voilà, tout ça est lié. Ok, alors je vais ramasser tout ça et on va aller voir ce que ça nous dit maintenant au niveau sentimental. Donc bien sûr, vous transposez dans le domaine qui vous intéresse. Si ce n'est pas sentimental, vous pouvez transposer aussi. Au niveau du professionnel. Alors, on va prendre ici. Hop. Allez. Les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce que la pleine lune va mettre en relief Va révéler, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Il y en a trois. Bon, je vais les garder. On a le pouvoir, la fortune, le septenaire. Le septenaire, pardon. Et on a le lien. Ok Alors, Oula, déjà, on se libère hein, d'une énergie... Euh, voilà, il y avait peut-être des projets qui n'ont pas été aboutis parce qu'il y avait une énergie négative ou une situation négative, ou c'était peut-être pas le bon moment. On a le pouvoir, le doute, les, le questionnement, la prise de recul nécessaire. Pour reprendre du pouvoir, c'est ce qu'on disait au tout début. Là, il y a une métamorphose, il est question de métamorphose, et on a le chiffre 13. Donc, cette prise de recul est nécessaire pour regagner en pouvoir, euh, pour consolider aussi un pouvoir dû à une métamorphose. Euh, là, on a deux personnes différentes. Alors, on a le lynx et. La consultante, donc euh, c'est vous qui regardez la vidéo pour vous-même. Donc voilà, si vous regardez la vidéo pour quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, ce sera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, donc, de toute façon, vous saurez qui c'est, puisque si ça ne vous parle pas, mais que ça vous parle plutôt pour euh, euh, Janine ou euh, une collègue ou une amie ou votre mère ou peu importe, c'est pour cette personne aussi. Alors la fortune... On vous dit d'être vigilante par rapport à votre argent, d'être vigilant, vigilante, d'accord Peu importe. Euh, ici, il y a une renaissance en cours, il y a une refloraison après un bilan, après avoir eu un avertissement. Alors, pas un avertissement, mais en étant sur ses gardes. J'ai l'impression qu'on vous dit attention, il y a quelque chose, voilà, une procédure ou bien quelque chose qui a pris votre énergie. Et euh, ça peut être attention euh, à l'aide, euh, à l'aide. À ne pas aider euh, une personne qui finalement est intéressée que par votre argent, qui est tout le temps en train de se plaindre et vous essayez de l'aider et elle pompe votre énergie. Ou bien c'est une question d'argent. Donc attention à votre argent. Euh, ouais, attention à vos valeurs aussi. J'ai l'impression que vous renaissez parce que justement, euh, vous, vous vous revalorisez par rapport à ça et ça, permet, euh, ça vous permet de comprendre qu'une personne était peut-être. Euh, je ne sais pas comment dire ça. Ventousante Non, ça se dit pas, hein, ventousante. Mais vous voyez l'idée, une ventouse énergétique. Voilà, une sensue. Euh, Quelqu'un qui pompait votre énergie, j'entends. Alors, le septenaire, je vais euh, Le septenaire, pardon. Je vais juste aller voir. Ok, harmonie, fusion, totalité, perfection, réalisation. Et là, on parle d'un lien. D'un lien avec une personne. Donc, vie de couple, parfaite. Bon, je pense que vous avez traversé des trucs avant que ce soit parfait, hein, ce n'est pas à Disneyland, mais quand même, là, vous atteignez une harmonie, comme une, une apogée, j'entends. Et euh, voilà, en cas de célibat, on vous dit que vous êtes satisfait de votre situation et continuez à visualiser. Regardez, on a le lien, l'anneau. Alors, il y a peut-être... Aussi derrière vous, ouais, okay. Le serpent, le cristal noir. Alors c'est l'abus de confiance, l'influence négative, les personnes néfastes. Alors surveillez vos rêves, bien sûr, encore une fois. Mais vous êtes protégé là. Hein. Vous êtes protégé. Euh, la trêve, c'est la réconciliation. Ouh, traité de paix, j'entends. C'est peut-être. On retrouve l'harmonie déjà en soi et ensuite avec quelqu'un. Ok, donc visualisez, hein, si vous êtes euh, euh, célibataire. On a euh, quand même, on avait la surprise dans notre deck, et là on a la lune. Alors ça peut arriver assez vite. On vous dit d'écouter votre intuition parce que votre intuition est votre premier des guides et que justement, bah voilà, vous avez la corne d'abondance, vous avez la fortune et là on a le message. Alors ça peut être une reprise de communication. Mais vous avez quand même traversé euh, une crise au niveau de vos valeurs personnelles. Le pouvoir, la fortune, le septénaire. Ok, il y a eu quand même une traversée là. Doute, réflexion, prise de recul, introspection. Ça a été nécessaire. Hein. Là, on est en plein questionnement. Euh, ensuite, voilà, on vous dit vraiment de faire attention. J'ai l'impression que. Tout à, tout à l'heure, je parlais de, de compromis, euh, euh, des valeurs et tout ça. Mais j'ai l'impression, c'est attention aux petites lignes. Par exemple, en cas de séparation, en cas de signature de contrat, euh, vous pouvez très bien vous entendre avec votre partenaire. Acqu acquérir un bien ensemble, faire l'acquisition d'une maison. Mais attention aux, aux petits détails. J'ai l'impression que, comme on dit, hein, le diable est dans le détail. Mais justement, euh, ça peut être des clauses de contrat. Ça peut être... Voilà, si c'est au professionnel, ça va être ça. C'est-à-dire... La méfiance, vigilance plutôt que méfiance, mais vigilance quand même. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps sur la défensive, hein, mais le lynx a la vision nocturne, il voit tout ce qui est caché et surtout, il flaire. Euh, C'est un grand félin, d'accord C'est un gros gros chat. Euh, je vous apprends rien, mais en tout cas ici, ça parle pour moi euh, de faire attention. À qui vous faites confiance en fait. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Pour certains, ça va être le cas. Mais on a quand même deux fois. Vous voyez, la corne d'abondance, pardon. Je vais vous le montrer. Euh, voilà, c'est le même dessin. Donc ici, attention à ça. OK. Donc, on va aller voir un petit peu. J'ai euh, ouais, la gorge qui me, me gratte un peu. Je pense qu'il est temps de vous exprimer en disant, écoute, non. Voilà, si par exemple c'est quelqu'un qui vous demande toujours, tu peux me prêter 5 euros, tu peux me prêter 50 euros, je te jure, je te les rends à la fin du mois et tout ça, vous pouvez dire non, c'est une réponse acceptable, sans avoir besoin de vous justifier. Non mais s'il te plaît, mais je suis vraiment dans la panade si tu m'aides pas. Ouais mais moi qui tu vas m'aider Non, tu, tu qui va m'aider Voilà, donc euh, écoute, je vais plus t'aider en te t'aidant pas qu'en t'aidant. Ça peut être ça aussi, la personne, vous allez voir à qui vous allez affaire. Hein, en répondant non à quelqu'un, euh, souvent on voit très vite de quelle nature réellement est la personne. Alors, ok. Alors, que va amener la pleine lune, si vous plaît, dans le signe du cancer La lumière, cœur de lion et le trouble. Il y a une petite zone, euh, alors, je ne dirais pas de turbulence, mais ici... Euh, je pense que votre courage va être éprouvé dans le sens où, où en étant euh, sûr de ses valeurs, en étant valeureux, il y a vraiment une question de valeur, euh, mais aussi dans le sens euh, un peu pre-chevalier, je suis valeureux et tout ça, vous allez justement euh, regarder les zones d'ombre, alors le trouble, on peut parler euh, de situations, alors pas forcément troublantes, mais... Tout ce qui vous a affligé, tout ce, que vous, tout ce qui a été bouleversant, ce qui vous a égaré, tous les voiles hein, des peurs. Là, on parle de trouble. Tout à l'heure, j'ai parlé d'illusionniste, de voile des illusions, de Neptune. Neptune rétrograde, c'est-à-dire, on te met tout sur la table avec Jupiter et tu regardes vraiment si ça te correspond ou pas. Et là, j'ai l'impression que justement, vous avez la force nécessaire pour mettre en lumière tout ça. Pour mettre en lumière tout ce qui est trouble, tout ce qui est négatif, ça peut être au niveau du couple. Donc euh, remettre en question euh, les habitudes parce que derrière on a quand même la monotonie. Donc il n'est pas nécessairement question de se séparer de quelqu'un, mais plutôt de se dire de quelles habitudes on doit se séparer. Par exemple, euh, se critiquer ou soulever les petites choses qui vont pas. Eh bien là vous allez vous dire ok pour que le couple aille mieux, euh, je vais euh, euh, plutôt souligner. Euh, le fait que la personne ait fait la vaisselle. C'est tout bête, hein, mais euh, des fois ça suffit à creuser le fossé entre le couple. Bah, je vois que tu n'as pas fait la vaisselle, comme d'hab. Donc, la personne va se sentir progressivement dévalorisée. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe. Mais c'est un petit truc de rien du tout. C'est juste une remarque euh, dans le sens bah, j'aurais aimé que tu fasses sa vaisselle. Là, euh, en disant ah, bah, je vois que tu as descendu les poubelles. Euh, voilà. Et si vraiment vous ne trouvez rien de valorisant, eh bien, il est temps de peut-être euh, repartir dans des activités créatrices. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi le valet de bâton a surgi dans ma tête. Mais il est temps de mettre tout ça en lumière, en fait. Est-ce que ça me correspond toujours Est-ce qu'on peut trouver une solution Non, vraiment, je ne trouve pas de solution. Donc il euh, bah, y a une solution qui est plutôt, bah voilà, de, de laisser couler. Alors là, on a la rivière de se protéger aussi parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. donc le mieux que vous puissiez faire c'est suivre le cours des choses de vous protéger de retourner à la source c'est-à-dire voilà euh, on a la force vitale mère nature on a aussi l'écoulement temporel c'est-à-dire de laisser faire les choses mais là on a quand même une protection. Euh, on parle de solitude de d'avant de peut-être d'introspection c'est pour ça que tout à l'heure on avait euh, voilà le, le repli sur soi c'est-à-dire voilà je, je c'est dans la solitude euh, dans le sens le silence euh, en, en, en isolement que je vais trouver les réponses en moi la lune clairvoyance ok donc on y voit clair sur une certaine euh, une période j'entends de votre vie où il y a eu vous l'avez vécu comme des épreuves mais ça a été aussi pour euh, vous faire euh, réaliser que vous aviez un cœur de lion, que vous aviez du courage. Il y a vraiment cette idée-là. Alors là, on a cette notion quand même en dos de deck, que vous vous, vous êtes senti coincé, je ne sais pas si vous voyez le dessin, vous vous êtes senti coincé pendant un bon moment, euh, mais que, alors, <laughs> j'ai... J'ai le mot tête d'ampoule, ça parlera à certaines personnes qui ont la référence. Mais voilà, une tête d'ampoule, c'est un je sais tout, un intello, c'est ce qu'on disait il y a quelques années. Voilà, mon père me disait euh, euh, tête d'ampoule, par exemple. Euh, mais c'est se sentir vraiment coincé jusqu'à ce qu'on soit tellement coincé, on a une baleine dans une ampoule on en vienne à trouver euh, la solution. Voilà, on, on est à l'arrêt. C'est un peu comme en équitation, voilà, quand un, un cheval euh, perd un peu, euh, on va dire, euh, entame une course folle, on va serrer un peu la bride pour l'amener à euh, faire des ronds plus restreints, des cercles plus restreints plutôt, et puis ensuite tourner sur lui-même, s'arrêter, et c'est que comme ça, l'arrêt, euh, que vous trouvez des solutions. On a quand même tout à l'heure le lapis lazuli, qui est, le lapis lazuli, pardon, qui est sorti, si tu cherche à ouvrir tes perceptions et affiner tes intuitions alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi donc la pleine lune va aussi là on parle de lune va aussi vous révéler peut-être des expériences du passé qui vont vous servir justement à faire l'étalage, le bilan. Tout à l'heure, on avait le 7 de denier de vos forces, de vos compétences, de vos qualités, de tout ce que vous avez vécu. Voilà, je mets en lumière tout ce que j'ai vécu et mon cœur vaillant. Encore une fois, un Richard Cœur de Lion, c'est le cœur vaillant pour passer cette période trouble, pour laisser couler certaines choses qui doivent s'écouler et pour faire appel à mes perceptions, c'est-à-dire je vois les choses différemment. La Lune me fait comprendre que ce, ce n'était pas des épreuves, c'était une préparation pour le mieux derrière. Ok, donc quand on voit la vie comme ça, euh, c'est le libre arbitre. Hein. Je choisis de vivre la vie, de voir la vie comme ça, ou bien de la voir comme étant un champ de bataille, une difficulté constante, euh, que des obstacles. Et là, on tourne en rond. Donc ici, le mieux, c'est de s'arrêter un petit coup et de se dire, voilà, euh, j'ai besoin de rayonner, j'ai besoin de mettre en lumière. C'est marrant parce que ça fait écho aussi à l'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin. Pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Et on parle de cohérence, cohérence envers soi-même. OK Alors, ici, on a le savoir, on apprend des choses, on a un changement, une montée d'informations qui vous permet de changer et d'aller vers de la nouveauté. Donc, en couple célibataire avec quelqu'un en vue ou sans personne en vue, là, on a des nouvelles aussi. On a de la communication hein, qui revient. Alors, hop, on a la femme. OK et on a la blessure, le... ouais, la personne blessée. Ici, on va peut-être revenir sur une blessure en, en, en communiquant. Par exemple, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, euh, à quel point la personne m'a blessée, etc. Alors, on va prendre un message conseil. Hein. Euh, ici, alors qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît Qu'est-ce que l'univers, la lune, euh, vos guides, peu importe, ont envie de vous dire Alors, ici. Ça tombe par paquet donc je vais plutôt faire comme ça voilà j'ai envie de prendre celle là alors ici on vous dit l'essence du cœur sacré j'ai Eu mille facettes et autant de voix à travers le temps et l'espace. On m'a nommé le Dieu, la déesse, le Christ, la Vierge Marie et, bien façons, et de bien d'autres façons encore. Je suis là depuis toujours avec un seul message intense et criant car je suis l'amour pur, inconditionnel, tendre et tranchant à la fois. Mon cœur explose en milliers de couleurs. Elles sont pour toi, mon enfant. Donc ici... Il y a vraiment euh, ce côté, vous êtes aidé, protégé, guidé. Vous pouvez faire appel à vos guides, euh, quelles que soient vos croyances, votre foi, votre religion. Ici, vous avez du soutien. Ça, c'est important. Euh, alors, on va voir quelle est l'évolution. Qu'est-ce que je vais prendre Je suis en pleine improvisation. Ok, je vais prendre celui-ci d'abord pour commencer. Alors, ce savoir, qu'est-ce qu'on vous dit L'inspiration, c'est dans les livres. Dans les conférences, euh, voilà, dans ce que vous glanez au fil du temps, par exemple, tiens, je me pose la question. Souvent, moi, je réponds allez voir sur Google, vous aurez des réponses. Voilà, ça fait pas sens, ça fait sens, mais à vous euh, de faire le, comment dire, la part des choses entre votre intuition. Tiens, ça, ça me parle tout de suite. Ne cherchez pas plus loin, d'accord Donc, l'inspiration, elle peut venir du savoir, c'est-à-dire en ouvrant d'autres bouquins. Des fois, il suffit juste, tiens, j'ai envie d'une réponse, je vais faire un petit jeu. Par exemple, je prends un petit livre, je vais parcourir les pages, voilà, et là j'ai quoi euh, Comme un nouveau-né, il ne sait rien de l'union de l'homme et de la femme. Euh, pardon, là c'est un peu sexuel, <laughs> je suis désolée. Euh, tiens, si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui de s'épanouir. Non, mais ça parlait de trucs un peu euh, olé olé quand même. Attendez. Euh, non, mais je n’ai pas peur d’en parler, mais c'est juste que YouTube est un peu puritain, donc je risquerais de me prendre un strike. Voilà je n’ai pas envie de me prendre un strike. Donc si tu veux <coughs> prendre quelque chose, permets-lui d'abord d’être donné, cela s’appelle la perception subtile de la réalité telle qu’elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide, que tes méthodes demeurent un mystère, n’en montre aux autres que les résultats. Donc ici, vous avez un cœur vaillant. Alors, si ça vous intéresse, c'est le Dao De Jing. Ça se dit comme ça. Voilà, c'est le Tao Te King, mais ça se dit Dao De Jing. Et c'est euh, un petit livre qui est fort inspirant, ma foi. Sauf quand ça parle euh, de choses un peu... Euh, voilà, ça fait partie de la nature, mais pas de YouTube. Alors, les arts, bon ben voilà, on a l'inspiration, créativité, hein. amusez-vous, dansez, chantez, riez, euh, faites quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous inspire, on a l'activité ici. Alors, nouveauté, on parle de quoi Les nouvelles. Les nouvelles, la lettre. Hmm. Quelque chose de nouveau qui vient à votre connaissance, qui est porté à votre connaissance, qui permet un changement et qui permet de mettre derrière vous une blessure. Alors vous l'avez mise aussi derrière vous par du lâcher-prise. Là, on a quoi qui est tombé Les autres. OK. Là, il y a une protection, il y a un renforcement avec le monde minéral. Alors ici, vous y voyez clair sur à qui vous avez affaire. Ça peut être l'autre qui a, qui a affaire aussi à des, des personnes. Euh, ouais, bon, là c'est plutôt chez vous, j'ai l'impression. D'accord On ne va pas encore parler de l'autre, on va voir. Le message. Bon, bah là, si vous aviez un doute, il n'y a pas de doute. On a quand même euh, la lettre, le message, les nouvelles. Ok. Festivité. Vous allez trinquer, hein euh, peut-être pas concrètement, peut-être pas au sens euh, euh, propre du terme, mais plutôt au sens figuré, c'est-à-dire victoire pour vous quoi. Euh, pas revanche sur la vie non plus, parce que je pense que ces épreuves-là vous ont conféré l'humilité euh, due à la, la traversée du désert, euh, les questions que vous vous êtes posées. Il euh, y a plein de personnes qui ont vécu un, un éveil spirituel et de façon euh, vraiment euh, des plus traumatiques, hein, par la perte d'une personne. Donc voilà, mais là, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouger. Le mieux que vous puissiez faire, c'est vous parfaire vos connaissances, continuer à être dans ce mouvement de la vie, c'est-à-dire la joie. Euh, attendez, je vais dézoomer un tout petit peu, comme ça c'est mieux. Et la femme, alors qu'est-ce qu'on vous dit L'indécision, vous aurez un choix à faire. ce que j'entends, vous aurez un choix à faire. Euh, ok, on va compléter parce que là, c'est un petit peu euh, la femme, l'indécision. C'est marrant parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, je vous le montre. Euh, non, vous n'aurez pas vu. 49, 49, c'est sur la même colonne. Ok, euh, on continue. 31 et on a du 31. Bon, soyez inspirés, ça vous permettra d'avoir les réponses, parce que si vous êtes en pleine indécision, il n'y a que par euh, la, les nouvelles connaissances, euh, ça peut être des bouquins, ça peut être des personnes, que vous allez avoir d'autres réponses, parce qu'à tourner en rond dans votre tête, euh, peut-être que vous tournez en boucle et vous ne trouvez pas de solution. Or, la solution, vous allez la trouver. Donc, 49-49, 1-9-5, d'accord Donc, on est dans le commencement, dans l'évolution, L'aboutissement, donc fin de cycle par rapport aux autres. Bah, pour le coup, je vais rezoomer. Désolée, on s'est improvisé. Mais si on s'intéresse un peu à la numérologie, on a du 31-32. On a du 9-9. Donc, ce sont les autres qui vous ont blessé. Euh, J'ai des bouffées de chaleur. Je vous explique un peu ce qui se passe en... dans la coulisse. C'est que quand il y a quelque chose, écoutez votre intuition, parce que justement, là, mon corps, il est en train de me dire Oui, c'est ça. 9, blessé. D'accord 9 et 9. Les autres blessés. Bon, pourquoi pas Donc un nouveau départ, une nouveauté, euh, des nouvelles, donc une situation qui évolue après avoir été blessée par euh, des autres. Vous mettez euh, derrière vous certaines personnes, certains comportements. Et là, 22-24, bon, rien à signaler. On a quand même 31-31 et 31-32. Voilà. C'était juste comme ça parce que, euh, parce que voilà. <laughs> Alors, l'explication de fou. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus. C'est connaissance, savoir. Qu'est-ce qu'on vous dit Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Ok. Le changement et les, les arts. Qu'est-ce qu'on vous dit Ressources. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Euh... Écoutez de la musique, faites une activité créatrice, peut-être juste de la méditation. Voilà, c'est une carte de ressources, on parle d'introspection. On voit la rivière et la grotte quand même. Hein. Donc là ici, euh, peut-être que là, il n'y a plus rien à faire de votre côté. Vous aurez l'action juste euh, en vous ressourçant, en réunissant vos forces longtemps. Voilà, la nouveauté, c'est que vous allez apprendre. Euh, là, il y a une trahison. Hein, Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Mais j'ai l'impression que euh, la blessure, on parle de blessure du passé, le passé derrière vous, je vous ai dit c'est derrière vous, c'est en d'autres decks, euh, par rapport aux autres. OK. La lettre, le message, qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce que vous allez apprendre Alors, ça peut être cette trahison. C'est quelqu'un qui va apprendre. Euh, Qu'il a été fourvoyé aussi, c'est possible. Hein. Oh, ok. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc là, peut-être que vous êtes en attente d'un message et on vous dit de lâcher prise, hein, d'accord euh, Qu'il y a encore des choses qui sont verrouillées et que le message arrivera une fois que vous, vous revenez dans les cartes euh, voilà, positives, c'est-à-dire je m'occupe de moi, euh, je me fais plaisir, je chante, je danse, on verra bien. Euh, là, il y a quelqu'un qui a honte, on a de la culpabilité et l'indécision. Peut-être qu'une personne va vous dire Écoute, je ne savais pas à l'époque, j'ai eu peur de l'amour. Bah, tiens, euh, l'amour, la peur. Personne qui avance vers vous, mais qui a peur, euh, qui va peut-être vous proposer quelque chose et vous allez être indécis en vous disant Est-ce que cette personne est sincère au vu de ce qui s'est passé Parce que j'ai quand même la notion de passif. Ou alors euh, quand une personne arrive vers vous, vous avez peut-être peur de vos émotions, euh, on vous dit d'y aller avec confiance. Voilà, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous et c'est là que vous allez attirer l'amour ou bien en tout cas quelque chose qui vous correspond mais qui ne vibrera pas sur vos énergies de peur. Euh, on vous dit que vous avez avancé, vous êtes sur le bon chemin. Donc ayez confiance, ne soyez pas dans les doutes parce que les doutes euh, c'est comme les intrus en soirée, c'est-à-dire qu'il y a oh, tiens, euh, une soirée là-bas, c'est fiesta dans la tête euh, bah, de votre tête finalement. Euh, bah, tenez, venez, euh, indécision, doute, insécurité, parce que ne se ramène jamais seul, Joe hein, l'incruste. La... Donc ici, euh, on vous dit de vous libérer quand même, il y a un travail qui a été fait, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes éclairé, demandez à vos guides aussi, hein, vous avez euh, euh, accepté les autres tels qu'ils sont. Voilà la réussite. Croyant en votre capacité de réussite. Hein. Et euh, lâchez prise, c'est-à-dire la sentinelle, c'est vraiment voilà, euh, je, je veux que tout soit parfait, du coup j'ai peur de mal faire, donc euh, les autres font mal, donc euh, euh, je vais plutôt pointer euh, euh, ce qui ne va pas. Donc après, je me dis bah, qu'est-ce qui ne va pas Parce que je suis pourtant une fille bien, quelqu'un de bien. Euh, voilà, vous transposez bien sûr à votre, euh, à votre genre. Euh, mais. Et vous vous dites je sais même plus où ça coince en fait. Pourtant j'ai libéré mes blessures. Mais c'est dans le langage des fois. Euh, ouais mais je vois pas comment ça pourrait marcher. Je cherche l'amour mais... Bah, ça, c'est déjà une énergie contradictoire. C'est comme, voulez-vous prendre cette femme pour épouse Oui, mais, non, ça n'existe pas. En tout cas, le mariage ne s'est pas terminé. Euh, le beau-père a dit, comment ça met avec tout euh, machin et tout ça Je croyais que tu aimais ma fille, attention à ta gueule. Enfin, bon, bref, vous voyez bien l'idée, quoi. Allez, je plaisante, on en revient. Bon, c'est une analogie, mais on en revient à l'idée de, euh, de taux vibratoire, c'est-à-dire oui, mais. C'est-à-dire je lance, mais je reprends tout de suite, parce que j'ai peur. Donc oui, je veux ça, et je veux ça comme ça, comme ça, comme ça. Je lâche prise, voilà, et, et euh, je patiente, je m'amuse en attendant que ça se fasse. Alors on part de chance, on parle de consultant, donc la personne qui regarde la vidéo ou la personne qui est liée à vous. Période de chance, alors attendez, je vais ramasser tout ça pour faire de la place, comme ça on y voit clair. Ce qui fait aussi partie de la clairvoyance, hein, c'est-à-dire je, je purifie les énergies. Voilà, je me libère de ça. C'est déjà une information passée. Donc, la chance, c'est le consultant. On a l'abondance. Oh, bah, disons, on a l'abondance, là. Hein. Alors, il y a peut-être une période aussi... Euh, qui est plus planétaire dans le sens où, euh, pour certains signes, c'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo de vos signes par rapport à ce qu'a fait euh, en termes de travaux, en termes de configuration astrale, euh, l'astrologue Roland Legrand. Parce que, effectivement, pour certains signes, ils vont être bien aspectés au niveau des, euh, des influx planétaires et tout ça. Parce que là, j'ai quand même, même si je ne date jamais une énergie, on a quand même des planètes qui vont être stationnaires. Par exemple, Uranus va rester jusqu'en 2023 euh, dans certains signes, enfin dans le signe du Taureau, etc. Voilà, on a Saturne, machin. Même si Saturne est rétrograde, on a quand même eu un mouvement du signe du Capricorne vers le signe du Verseau, et c'est pas tous les euh, jours que ça arrive. Donc là, on a deux ans, et là, on a trois ans. Euh, pardon, c'était. Euh, je ne sais plus où c'était, mais voilà, il y avait deux ans et trois ans. Donc, j'étais parti dans ma lancée. On continue. Nuage. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour votre autre, hein, si vous avez quelqu'un en tête ou si vous êtes avec quelqu'un. Euh, mais on vous dit que c'est une chance parce que. Alors, déjà, il y a lié par le destin. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la date du 26 juin. Euh, bah, c'est récent, c'est en 20 fin semaines. Donc ça peut être en fin de semaine. Ne vous focalisez pas là-dessus parce que ça, c'est y a rien de pire en fait pour bloquer une énergie. Lâchez prise, dites-vous. Il y a un truc lié au destin, ok Les dates, les énergies, tout ça, ça ne peut pas se dater. On a l'amour. Trois jours, on est le 22 au moment où je tourne la vidéo. 22 au soir, euh, je vais la sortir le 23. Trois jours, 26, pourquoi pas Très bien. On libère les blessures en agissant, hein, bien sûr. Et une dernière carte, s'il vous plaît. On a eu le cœur brisé, des choses à régler. D'accord, donc c'est encore pas clair, mais il y a quand même de l'amour. On a le pardon qui permet de libérer, de libérer une énergie. C'est peut-être ça les choses à régler. Alors, on va compléter. La chance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la chance On vous parle de plumes. Alors, ici. Hmm. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends le contrat, la signature. La plume, c'est aussi s'offrir plus de légèreté. D'accord euh, Là, on a l'attrape rêve. Alors, je vais voir juste à quoi ça, ça correspond. C'est la carte numéro 15. Alors, la carte numéro 15, on vous parle... Vous êtes protégé et votre relation l'est aussi. Les rêves, l'inconscient et l'écriture. Ok, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, alors, quel rapport avec la chance, s'il vous plaît une invitation. Peut-être que la, vous la voyez arriver, et pour l'instant, il n'y a que en rêve que vous vous, vous rejoignez avec l'autre personne. C'est possible aussi hein, pour les personnes en séparation. Euh, alors là, on a quelqu'un qui est en pleine crise. Ah, on a l'idée d'une tentatrice. On a l'idée d'un cœur brisé. Peut-être quelqu'un qui a des choses à régler avec sa partie féminine ou bien par rapport à une femme de sa vie, ça peut être la mère, la sœur, une cousine, peu importe, des collègues, euh, mais qui doit régler certaines choses, qui doit prendre le bon chemin. Donc en patientant, vous dit attendez, euh, moi je parlerai de patience, c'est pas le bon moment pour cette personne en tout cas. Mais les choses sont là. Elle doit réparer, elle a des, encore des choses à régler. Elle doit trouver un équilibre. Et l'amour, alors qu'est-ce qu'on vous dit sur l'amour, s'il vous plaît on a les parents, peut-être des choses à régler avec les parents, hein. ok. Et on a les aimants. Donc de toute façon, vous êtes li li liés l'un à l'autre. Hein, J'entends, euh, voilà, vous avez les outils pour réparer le cœur brisé ou alors la personne cherche. Ouais, c'est laborieux pour elle. Hein. C'est en cours, mais c'est laborieux. Elle cherche euh, comment. Régler certaines choses. Alors, si c'est vous qui avez le cœur brisé, vous avez les outils pour. Ça peut être dans la lignée familiale avec les parents, mais on vous parle d'amour hein, quand même. Donc, euh, on vous dit pas non, c'est mort et tout. C'est juste, il y a un timing à respecter, c'est-à-dire que là, tout est en train de se mettre en place. Alors, comment ça évolue euh, Je pense qu'il est judicieux que je je divise en trois. J'allais dire que je split en trois. Euh, attendez, je vais faire un truc plus cohérent. On va évoquer les trois cas de figure comme je l'ai fait pour le sentimental mois de juin avec le tirage à choix. D'ailleurs je vous en propose un bientôt. Euh, D'ici la fin de semaine, je me le souhaite et je vous le souhaite. Alors, en couple, donc si vous êtes officiellement avec la personne, vous habitez ensemble, vous êtes marié, paxé ou en concubinage. Euh, célibataire. Alors tiens, avec quelqu'un en vue et les célibataires sans personne en vue. Donc je mets pas de voilà, je vais tirer les cartes, on va voir ce que ça nous dit. Alors on va faire un tirage en croix. OK. Donc comment ça évolue pour les personnes qui sont en couple Bon, 4 de bâton, ça va s'améliorer. D'accord Là, le 4 de bâton, on a une personne qui arrête euh, de tout garder pour elle, de rester secrète, euh, d'être de, de, un peu mystérieuse. On a quelqu'un qui cherche, qui va s'exprimer, mais j'entends qu'il va participer, c'est-à-dire qui va collaborer, euh, qui va mettre le même genre d'énergie que vous à la construction. On parle de stabilité. On parle aussi de la récolte de vos efforts et de la concrétisation. Donc ici il y a quelque chose qui se concrétise. Euh, ouais, après une période pas facile où la personne était... Euh, voilà, elle, euh, comment dire, elle gardait tout pour elle. Alors, hop là, non, là on en a trop. Et en plus, à l'envers. Mais c'est surtout qu'on en a trop. Sinon, je les aurais gardées même à l'envers. Alors ici, on a l'ermite. Oui, il y a eu ici, il a besoin d'une introspection pour les personnes qui sont en couple. C'est pour ça que je parlais d'un peu de solitude qui va être finalement salutaire, salvatrice aussi pour le couple. On a l'as de denier, la chance, les opportunités. Il y a un coup de pouce hein, ici, d'accord Il euh, y a un coup de pouce et c'est surtout on, quand on bouge, c'est pour du stable, du durable. On retrouve, le, voilà, on a le cavalier de denier, c'est-à-dire... Un vœu qui s'exauce. Hein. Il y a d'excellentes cartes. Ça y est, maintenant la personne participe. Et là, on a quoi Le 10 de bâton. Alors, vous mettez derrière vous des difficultés en réagissant différemment, surtout que là, on a le 10 d'épée, c'est-à-dire une trahison. Euh, mais en tout cas, ça évolue vraiment de manière positive et bénéfique. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous, d'accord euh, Si par exemple, on vous dit pardonner euh, et que le pardon. C'est pas qu'il est difficile, mais vous ne vous voyez plus revenir avec la personne ou en tout cas continuer cette relation de couple, c'est correct aussi. D'accord, vous êtes votre meilleur guide. Alors pour les personnes avec une... quelqu'un en vue, qu'est-ce qu'on vous dit s'il vous plaît euh, Bah attendez, bah non, bah non, bah non. En plus on avait les amoureux à l'envers. Je vais prendre un autre euh, tarot. Euh, voilà. C'est pas ça qui manque. donc Parce que sinon, ça biaise, vous n'aurez pas les cartes qui sont tombées là. je, je Désolée. Alors, pour les célibataires, avec quelqu'un en vue. Vous voyez comment ça a sauté, mais on retombe sur ses pattes. Hein. Voilà. C'est comme le petit bout de papier qui vient de voltiger, mais qui est retombé, pas au même endroit, mais en tout cas intact et. Euh, voilà, au bon moment, au bon endroit. Là, on a la vision claire hein, sur ce qu'il nous reste à travailler. Euh, donc, pour les personnes qui sont célibataires avec quelqu'un en vue, ici, vous êtes en train justement euh, de peaufiner le travail. Vous êtes presque arrivé au bout. Hein. On vous dit, voilà, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous avez l'as d'épée. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a des cartes qu'on retrouve quand même du, du tirage de tout à l'heure, du tarot de Marseille. Et on a le pape, une évolution, une aide, un mentorat, un guide qui va vous permettre justement d'avoir la vision, la clarté d'esprit, ou en tout cas vous avez envie de passer à un niveau supérieur. Ce qui va vous aider. Hop là, on a le 6 de denier, communiquer. Ouais. Euh, là, cette carte-là est restée sur, euh, voilà, elle est restée masquée, mais ça nous donne une information, c'est-à-dire j'ai envie de communiquer sans que ça crée de conflits où je m'attende toujours au pire. Donc là, je suis équitable envers moi-même, je suis juste aussi envers les autres, et du coup, je trouve ma sincérité, ma foi, euh, par rapport à ce que je communique, il y a une énergie réciproque. Je donne, je reçois, je donne autant que je reçois d'ailleurs. Donc euh, voilà, il y, y a cette notion de partage équitable. Là, on a le cavalier de coupe, ça veut dire qu'à court terme, quelqu'un va se déclarer la personne de votre cœur, hein, puisque vous l'avez en vue. Alors ça peut être une autre personne aussi, mais là, visualisez vraiment avec clarté d'esprit ce que vous voulez, communiquez clairement vos besoins, vos envies, donnez, participez, et il vous sera rendu, regardez, l'as de coupe, un nouvel amour ou quelque chose qui renaît. Euh... Ouais, après une période où c'était un peu stérile, hein, mais ça vous a permis euh, de bouger, de mettre en lumière des changements que vous aviez envie d'effectuer dans votre vie. Pareil, on retrouve le 10 de bâton. Pour les personnes qui ont connu quelqu'un ou qui ont été avec, ça a été une période un peu euh, ouais, laborieuse quand même, mais ça s'améliore. Et à long terme, s'il vous plaît, alors à long terme, les énergies qui vont rester après la pleine lune, le dos de coupe. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça se passe de mots. Tout le monde connaît le deux de coupe. C'est l'union, la fusion, le partenaire idéal. On met derrière soi euh, les conflits réactionnels, c'est-à-dire euh, je réagis tout de suite, avec impétuosité, je m'attends toujours à pire. Là, on guérit quand même une notion de. Euh, le 5 de bâton, c'est le conflit, ça peut être un conflit interne dans les réactions. Là, on est juste envers soi-même, on se revalorise, donc on y voit clair. Et dans la manière de communiquer, euh, bah, ça repart, hein, tout simplement. Voilà, il y a une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. On a eu l'as de coupe, on a le cavalier de coupe. Là, on est dans les sentiments, donc il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Peut-être juste vous, vous allez vous déclarer en disant voilà ce que je veux. Et du coup, euh, ça va permettre de rencontrer la bonne personne ou que la personne euh, se dise bah ok moi aussi et que euh, bah, ça roule quoi finalement. Alors je vais décaler un peu tout ça maintenant que vous êtes passé. Et les célibataires sans personne en vue, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un Alors on va prendre celui-ci. Ok, alors, dans la situation actuelle, bah le cavalier de coupe aussi, voyez. Alors, on a, euh, ouais, vous, vous avez été plutôt dans le contexte euh, un peu saoulé, un peu, euh, pff, je préfère me mettre de côté, j'y crois plus vraiment. Alors que là, il y a une véritable, ouais, il y a quelqu'un qui vient, qui, euh, qui a envie de construire avec vous, hein, qui a... Voilà, qui va vous inviter, qui a envie de vous séduire, qui fait des pas des efforts, mais qui vous trouve attractif ou attractive. D'accord Donc, bah, écoutez ce que cette personne a à vous offrir. Pardon pour le claquage. Ce qui va vous aider euh, Là, on a la connaissance. On retrouve cette notion de savoir, de connaissance. Euh, la papesse, elle n'indique pas la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit d'apprendre un petit peu, voilà, ce qui se cache derrière, ça peut être un éveil spirituel aussi, ça peut être là, le subconscient qui vous indique là où vous devez travailler, d'accord, parce qu'on a euh, le cavalier de coupe peut représenter le subconscient, même si j'ai quand même l'impression euh, que ça parle d'une personne, mais pour certains, euh, vous allez le visualiser, peut-être que vous rêvez d'une personne totalement inconnue, et en rêve, on vous dit, ben bah, voilà, vous avez un canal médiumnique, vous êtes déjà relié à cette personne, j'entends, et que... Vous rêvez d'elle, mais on vous indique aussi où travailler, peut-être à la confiance en soi, d'exprimer ses sentiments, peut-être que vous avez tendance à tout garder pour vous et on vous dit exprimez-vous, d'accord C'est vraiment, euh, je pense que c'est le, le côté euh, fin de Mercure rétrograde, donc euh, Mercure qui restationne direct, euh, qui est passé aussi dans le signe des Gémeaux. On vient de finir la saison des Gémeaux, là on, on entame la saison du Cancer qui est un peu plus, euh, voilà, le Cancer va symboliser les valeurs, euh, sa maison, le foyer, la appartenance, sa famille et tout. Donc là, on se revalorise parce qu'on a fait un travail sur, par exemple, la lignée transgénérationnelle et, de ce fait, il n'y a pas de miracle, mais il y a bien quelqu'un qui arrive après une période difficile. Hein. Quand même, vous êtes passé par une destruction de certaines choses, voilà, le 10 d'épée, la reine d'épée. Alors peut-être qu'à court terme, vous avez encore au niveau de la communication un peu d'intransigeance parce que, justement, vous avez peur de vous refaire... Euh, euh, vous avez été euh, berné, mais en même temps, bon, ça c'est pas de la voyance, hein, c'est euh, juste ces cartes qui en parlent et qu'à un moment donné dans sa vie, on a tous connu des déconvenues, des désillusions, euh, des descentes, euh, voilà, de trois étages parce qu'on croyait que et en fait pas du tout. Donc là, il n'y a pas de voyance, c'est plutôt qu'à court terme, vous avez encore, oui, il y a de la protection. Vous protégez encore. Vous avez peut-être peur de trop donner, de peur de vous faire avoir. Et ça, il va falloir le travailler. Peut-être que vous avez tendance à garder trop pour vous. Et on vous dit, apprenez à mieux communiquer, écoutez votre subconscient qui vous dicte la voie à suivre. D'accord? Donc ça, un... voilà, ça, ça, ça se travaille, hein, c'est comme tout. Ici on a quoi? Reine de bâton. Là, vous reprenez confiance en vous. Alors il y a peut-être... Ouais, on vous dit avec le valet de bâton, faites des choses, des activités, amusez-vous comme un adolescent et vous allez voir que les choses vont évoluer, euh, que vous allez ressentir plus de joie. Regardez, valet de bâton, on a la reine, on a le cavalier, derrière on a le monde, on a l'aboutissement et on retrouve l'as de Denis, c'est-à-dire la chance, les opportunités. Sachez les saisir, ne restez pas sur le coin de la route, enfin sur le bord de, de la route en vous disant, bah, j'y ai pas droit parce que, au vu de ce qui s'est passé, c'est peut-être... Ne restez pas bloqué dans ce qui s'est passé, mais plutôt comment vous pouvez transcender la situation. Ok, alors euh, on va ramasser tout ça. Je ramasse, ça, je trierai plus tard. On va aller voir un petit peu au niveau. Euh, J'ai envie de prendre lequel J'ai envie de prendre. Hop là. Alors, j'ai du mal à le choper. Accordez-moi juste deux secondes. Voilà, que j'en oublie pas une, sinon, bye. Voilà, ce serait pas terrible. Bon, on parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, pour les personnes en couple officiel, mariés, en pax, en concubinage, on a financé carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on a l'engagement. Donc, on a un réitérement des voeux ou bien un niveau supérieur. On habite ensemble. Voilà, on a officialisé depuis un moment, mais là, il est temps d'habiter ensemble. Peu importe, vous passez à un niveau supérieur. Euh, vous avez eu le soutien des autres. Pour les célibataires avec quelqu'un au juste, s'il vous plaît. Euh, je vais peut-être les remettre d'ailleurs. Vous avez eu votre message pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires avec quelqu'un en vue, un jour j'inverserai, hein, je mettrai les célibataires sans personne en vue en premier parce qu'elles ne sont pas laissées pour compte. Hein, c'est juste voilà. Bah, laissez vos amis vous aider. Des bons amis, hein, pas des personnes qui vous font vous sentir mal. C'est comme ça qu'on retient euh, les, les vrais des faux amis. Voilà, une personne qui dit non mais j'avais raison, franchement, nanana, et qui vous met mal à l'aise, c'est peut-être pas une bonne amie. Euh, ok. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a une troisième carte pour vous. Et un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah, si vous êtes célibataire et quelqu'un en vue, soit vous êtes séparé de la personne parce que vous avez été déjà ensemble, ou alors euh, pour l'instant ça ne se fait pas. Vous ne vous voyez pas. Alors il y a aussi la période des vacances, hein, euh, nos paniques, euh, dans le sens où voilà vous n'êtes pas euh, au même endroit au même moment. Euh, ça peut être plein de cas de, de configuration. Mais je pense quand même que là, c'est vraiment, euh, voilà, il est temps de se revaloriser, de se dire, je suis digne d'être aimée. Ok, il y a la passion, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Et pour les personnes célibataires, voilà, avec, euh, bah, je suis bien dans mon célibat, ou alors j'aimerais mieux être, enfin euh, j'aimerais être mieux dans mon célibat pour rencontrer quelqu'un. Est-ce que ça va se faire On vous dit, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Passion, ok. Donc vous aussi. Hein. Bon, pour les célibataires, après nouvel amour. Voilà, quelqu'un vient déveiller vos sentiments romantiques. Alors, si vous avez quelqu'un en vue, mais vous vous dites, voilà, est-ce qu'il vaudrait mieux, pas mieux que je sois, euh, que je, je m'engage dans une nouvelle voie C'est possible aussi, d'accord Quelqu'un qui va raviver un peu euh, cette passion. On vous dit pardonner, prendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Euh, ça peut être quelqu'un. Avec qui vous ne, comptez pas, vous ne comptez pas revoir cette personne, vous êtes séparés, mais vous devez quand même travailler là-dessus pour libérer, pour permettre au nouvel amour de rentrer. C'est comme voilà, quand on balaye les cartes, voilà, ça c'est déjà du passé. Ça permet un espace libre et la personne peut se sentir à l'aise. Elle peut voilà se sentir vraiment unique et pas le fantôme ou le pis-aller ou le lot de consolation, peu importe. Ok, bon bah c'est vu. Je pense que c'est bien d'arrêter là. On a eu quand même pas mal de messages. Pour la pleine lune, je vous rappelle que euh, je vous prépare un tirage un peu spécial. Voilà, j'espère pouvoir vous le délivrer d'ici la fin de semaine. Je vous embrasse, je vous aime. Prenez bien soin de vous, profitez bien du début d'été. Si vous êtes en vacances, euh, eh bien, bonnes vacances. Pour celles et ceux qui travaillent, eh bien, euh, bon travail. Et puis, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt. Bye bye.